dans le fond, ma mère, elle était beaucoup dans des organisations de hockey. Et puis, d'année en année, j'aimais beaucoup ça, observer le gérant d'équipement, dans le fond, de l'équipe. Et puis, il m'a montré des petites choses, tu sais, comment se faire remplir les bouteilles d'eau. Mais après ça, petit à petit, réparations et tout. Et là, c'est ça qui m'a vraiment dit, bon, ben, je vais faire ça comme carrière un jour. Je te dirais que je suis un gars qui est perfectionniste, mais qui aime beaucoup travailler. Fait qu'il a pas peur d'arriver à 6 heures à l'aréna puis de partir à 11 heures le soir, ça me dérange pas. Fait que moi, travailler, ça me fait plaisir. J'adore ça. C'est quasiment une de mes raisons de vivre. Puis moi, c'est pour ça que j'adore ça. Cet été, j'ai signé avec le Phoenix de Sherbrooke comme gérant d'équipement en chef. Avant, j'étais assistant au gérant d'équipement. Et là, j'ai eu la promotion pour être en chef là-bas. Et puis là, c'est là, d'après moi, que je vais commencer à grandir les échelons pour... Mon objectif, c'est la Ligue nationale, donc j'ai toujours cet objectif-là en tête. C'est de croire en ses rêves. Il y en a qui disent « Ouais, mais tu sais, c'est difficile de trouver le point d'entrée, si on peut dire. » Tu sais, moi, je l'ai eu quand même assez facile, mais avec ma mère et l'organisation des Cougars du Collège Champlain, il faut demander conseil à du monde qu'on connaît. Tu sais, je peux-tu te donner pour ci, pour ça? Et puis, un jour, on va trouver le but à l'objectif. Mes tâches que je dois faire, c'est de veiller à ce que les joueurs et les joueuses ont ce qu'il faut pour performer. Fait que ça soit l'exage de patins, les bouteilles d'eau, le Gatorade, la réparation d'équipement si un velcro s'enlève sur une pad ou n'importe quoi. Ça peut être banal, une vis sur un casque. C'est vraiment pour que les équipements soient fonctionnels et puis que pour les joueurs et les joueuses puissent vraiment se penser juste au hockey. Puis que l'équipement, ils pensent pas à ça, qu'ils puissent vraiment performer à leur rythme.